Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. C'est la maman. La maman de l'heure juste. La seule et l'unique. Comment vous allez? Allô, allô, allô. Bon, je suis là. Je suis avec toi pour 45 minutes. Bien. Alors, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Moi, je me porte comme un chat. Franchement, sans, you know, comme un chat. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Partagez la vidéo, non, c'est comment allez-vous? C'est comment allez-vous? Partagez la vidéo. Vous attendez quoi? Je dois faire un dessin ou quoi? Partagez la vidéo, c'est la maman. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Qu'est-ce que j'allais dire? Bonjour. C'est la maman. Bon jeudi à tout le monde. Bon dernier jour du mois de septembre. Voilà. Bon dernier jour du mois de septembre. Apprenons dans le mois de la naissance de la queen. La maman, celle qui ne recule devant rien pour dire ce qu'elle pense. Celle qui conscientise ses semblables. Celle qui éveille. Celle qui n'a pas de parti pris. Celle qui n'est pas dans une team. Celle qui ne fait pas les choses pour faire plaisir aux gens. La maman de l'heure juste, la reine mère bio. La seule et l'unique, il n'y a pas son deux. Parce que les autres, là, dès qu'ils voient quelque chose, sur beaucoup de choses en même temps. Non. Allons-y lentement, sûrement et bien, dans la vérité et l'heure juste. J'espère que vous avez vu ma vidéo hier, ma sortie sur l'affaire Coco Agenté. Excusez-moi, ma belle Coco, excuse-moi. Lady Ponce et sa soeur Coco, Coco Lago. Vous avez vu ma sortie, j'ai été très claire. Je condamne les deux parties, mais plus Lady que Coco. Il faut qu'on soit clair. Le fanatisme aveugle n'a jamais été ma portion. Même quand j'étais avec Magina Kenkam, je savais qu'est-ce que j'avais à faire. Et je savais comment je fonctionnais dans cette... quand je la suivais, si vous voulez. Moi, je ne vais pas bêtement et tout. C'est pour ça que quand je l'ai aussi quittée, vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens sur la toile. Je parle de ma communauté. Qui avait des dents contre moi. Parce que je n'ai pas embarqué là-bas aveuglement. Évitez d'aller chercher les peaux de banane des autres pour mettre sur vous. Ou de vous envoyer, de vous lancer des peaux de banane sur votre chemin. C'est ce que beaucoup font sur les réseaux sociaux. Et après, ils se trouvent avec beaucoup de problèmes. J'ai une voix un peu enrouillée. Parce que le froid a commencé. Hein. Vous voyez, je suis en train de prendre mon café là. Je fais une belle tasse de café vanille française et tout. Et vraiment, ça me fait vraiment du bien, je vous dis là. C'est chaud et c'est bon. Café vanille française. Alors, il a juste toujours rien que ça. Moi, vous avez vu en titre de la vidéo, j'ai parlé de la mythomanie. Je remercie déjà les personnes qui ont pris les t-shirts pour subvenir au repas des orphelins d'Afrique pour ce décembre. Écoutez là, la quantité de t-shirts qu'on aurait vendus d'ici là, c'est ce qu'on va offrir comme repas. Aux enfants démunis. On va faire du mieux qu'on peut. C'est ce qui est vendu qui va être reconverti en repas. Hâtez-vous de prendre vos t-shirts. Le lien est en commentaire en haut dans la vidéo, dans ma boutique en ligne. Il y a beaucoup d'autres articles qui vont entrer dans ma boutique en ligne. Appelez aussi les trouvailles de la reine mère bio. Voilà. Donc,
Ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je vais à. J'ai eu ce matin, je dis toujours à mes bio, ma crème de la crème, de ne pas m'envoyer certaines choses que Magina Quincam fait ou certaines de ses vidéos. Mais il y en a une qu'elle a fait et qui a vraiment outré ces personnes qui m'ont dit, mais non, Mavoun, on ne peut pas mentir comme ça. Et tu aimes mon rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, c'est www.mlarose.com. Ces deux couleurs, j'ai mis en commentaire en haut. Donc, le contour, c'est Ruby 77. Et le milieu, c'est Erika, si je ne me trompe pas. J'ai écrit en commentaire les deux rouges que j'ai mélangés pour mettre. Ça va bien avec mon pull. Écoute, il fait froid, hein? Il fait froid. Le froid a commencé. Donc maintenant, je protège beaucoup mon cou quand il fait froid parce que moi, je prends beaucoup de froid au niveau du cou. Moi, les pieds, je peux mettre des sandales, des bas, bouches et tout. Mais mon cou, là, oh là là, il doit être bien protégé. Ouais. Il doit être bien protégé, mon cou. Moi, je suis avec Lady Pond. Je n'ai pas apprécié la manière dont Coco Lago avait insulté Aline Zobebem sur la telle. Il y a des insultes, des limites lorsqu'on sait qu'une personne vous a hébergé dans une période critique de votre vie. Je suis d'accord, ma chérie. J'étais bien dit. Les deux parties ont tort. Tu comprends? Mais sache que dans une situation, ma belle Lily Rose, est-ce que j'ai bien mis mon bouton? Ah, il fait froid. Ah, j'ai pas bien fait, mais je crois. Sache que ma belle Lily Rose, dans une situation assez, comment je vais dire, dans une situation conflictuelle comme celle de Coco et sa sœur, il faut savoir que la personne qui a le plus à perdre, c'est à lui de mettre de l'eau à son vin plus. Excuse-moi, hein? Lady, elle perd rien, ses chansons seront toujours là, mais elle a trop de tâches. Tu sais, quand tu sais que c'est toi, excusez-moi, je rajoute ma chaleur sur mon cou, quand tu sais que c'est toi qui as plus de tâches à prendre sur ton nom et tout, c'est mieux que tu fasses attention, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lady doit prendre un tabouret et s'asseoir. Si elle fait de l'ingratitude, sa tasse de thé, il faut qu'elle allège chez certaines personnes. C'est ce que je veux dire. Parce que trop d'ingratitude ressort. Moi, je ne prends pas ce qu'on dit de quelqu'un poufi, mais ça ressort, ça ressort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai jamais côtoyé la diva. Mais je dis que si c'est vrai, il faut qu'elle mette de l'eau à son vin et qu'elle sache doser. Parce que même si on t'aime beaucoup, on n'a pas besoin de trop d'éclaboussures. La personne qu'on aime, on ne veut pas qu'on l'éclabousse beaucoup. Tu comprends, Lily? Donc, tu peux toujours supporter Lady. Tu peux toujours être contre Coco pour ses sorties. Il y a beaucoup de gens qui en veulent à Coco pour beaucoup de choses. Ils disent qu'elle est réputée pour ci, pour ça. Mais moi, je suis du genre à dire, et si on allait voir pourquoi elle faisait ça? Parce que moi, je suis une éducatrice de masse, tu vois. Nous ne décidons pas les choses sans avoir bonjour Zo, ça c'est ma crème de la crème, ça c'est mon fan bio, partage partout, que ça arrive même dans tous les villages. Zo, quand ils voient la reine mère bio en direct, ils partagent. Je te salue Zo, je t'embrasse, le 237, ça c'est la crème, ça dit que mon fan personnel, j'ai mis, il y a un lien vert là, il y a un cadran vert que tu vois là, c'est pour les abonnements. C'est une très bonne nouvelle aussi pour vous, mes fans qui veulent s'abonner autrement que l'abonnement simple de Facebook. Alors cet abonnement est payant, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si tu cliques dessus, tu peux prendre un abonnement 1 an, 6 mois sur ma page et ça me permettra de gagner en revenu Facebook. Alors je veux juste te dire que ce petit clic là, tu sais, tu m'envoies des cœurs, ça fait du bien, mais tu peux aussi cliquer dessus et t'abonner. Je remercie les 3 personnes qui se sont abonnées pour 1 an sur ma page. J'étais très contente. J'ai vu le message, après on m'a dit, Facebook m'a dit qu'il y avait des quoi à faire, je ne sais même plus quoi là, mais ça a commencé seulement hier je pense. Alors tu peux cliquer, tu peux t'abonner. Donc, il y a quelque chose à faire. Je crois que le compte bancaire a fait quoi. Mais le temps que j'ajuste ça, tu peux t'abonner annuellement à la Reine Mère Bio. Toi qui veux donner un cadeau d'anniversaire propre à la Reine Mère Bio, tu as les t-shirts de la gloire glorieuse au message puissant que tu peux acheter. Tu as aussi l'abonnement que tu peux prendre 2 mois, 1 mois, 6 mois, annuel, whatever, comme tu veux. Il y a des petits trucs pour encourager, n'est-ce pas, vos personnes qui font... qui vous font, n'est-ce pas, des directs, et vous font rire, vous font passer du bon temps, vous font voir la vie du bon côté, vous amène des solutions, vous aide à solutionner les situations. Voilà, c'est ça. Oui, notons aussi que Coco Lago s'est exprimé avec beaucoup d'aigreur et de méchanceté. Mais ma chérie, on ne peut pas savoir quand quelqu'un a mal.
C'est pour ça que je te dis, parfois, il y a une situation conflictuelle. Lily, tu es âgée, puis tu dis que c'est encore moi qui a fait ça. Oui. Coco a mal, c'est tout. C'est tout. Oui, le ton de sa voix m'a marqué. Raison de plus pour que j'analyse pourquoi elle peut. Qu'est-ce qui peut la mettre dans cet état? Et n'oublie pas, Lily, le message de Coco allait directement à Lady. Maintenant, c'est sorti. Ça veut dire qu'elle ne parlait pas ça à quelqu'un d'autre. Elle parlait à Lady. Donc, moi, je ne peux pas en vouloir à Coco. Ça, je vous dis déjà. Mais Lady, c'est à elle de faire l'effort de... Comment je peux expliquer ça? D'étouffer, de tuer les poussins dans l'œuf. Quand ça commence à se lever, elle étouffe ça très vite. Elle est capable. Voilà. Autant elle nous sort des belles chansons, autant elle est capable de faire ça. C'est tout ce que je dis, quoi. Et vraiment, Coco, en l'entendant, lui, il y avait la rage dans son message. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand on est enragé. C'est sûr que si Lady était devant, elle peut-être pouvait aller aux mains. On ne sait pas. Donc, ton direct était top hier. Yeah. Je te vois dans les rôles comme coach Sonia. Et pensez aussi à monétiser ta page. T'en fais pas, Irène, ça s'en vient. Justement, je t'ai dit, il y a un lien d'abonnement sur ma page. C'est justement ce que je voulais commencer en janvier, vous savez. Mais imaginez encore revenu, je suis encore là. Mais j'ai, ça, c'est, on dit, c'est le don de Dieu. Hein. C'est Dieu qui donne ça. On ne fabrique pas, on ne s'invente pas. C'est comme ça, ou tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je l'ai, je le sais. Mais il faut que le timing, le momentum arrive. Je n'ai pas besoin de courir pour courir. Donc, je sais pas, coach Sonia, coach qui ce que tu veux. Mais je sais que j'ai une valeur intrinsèque, je sais que j'ai une valeur à ajouter, je sais que j'impacte dans le positif, je sais que je suis une éducatrice de masse, je sais que je solutionne, je suis là pour solutionner au lieu d'envenimer les choses. Donc quand une situation, je n'ai pas les éléments, je me mets à carreau. Ça là, c'est moi, ça a toujours été moi et je vais suivre mon cursus et ça va aller toujours comme ça. Je ne vais pas dérailler, ça je vous le promets. Je cherche pas les problèmes par exemple, mais quand on me cherche, on me trouve. Je suis un peu comme Coco, dans le sens qu'on me cherche, on me trouve. Oui, c'est un peu ça. Bonjour ma femme, bonjour. La mienne, bonjour ma chérie, bonjour. Oh là là, la crème est là. Wet Plant, comment tu vas ma beauté? Il faut qu'on s'appelle hein, pour le business. Hein. Oui, tu es Lady Ponce. Ok, je t'accepte ça, je t'octroie ça. Tu peux être Lady Ponce, tu peux être Coco, c'est légitime. Vous pouvez écrire ici, ça ne me dérange pas. Mais Lady Ponce devait arrêter de nous faire, n'est-ce pas, digérer les éclaboussures nauséabondes sur sa personne. Vrai ou faux, ça ne nous intéresse pas, mais il faut qu'elle étouffe ça. Elle doit tuer le poussin dans l'œuf. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Moi, j'ai déjà hébergé les gens chez moi. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Toutes les personnes que j'ai hébergées chez moi sont sorties. Je n'ai aucun... On n'a pas eu de chicane. Je dis bien hébergé, pas une fois, pas deux fois. J'ai déjà hébergé pas mal de gens chez moi. Donc, vous ne pouvez pas dire que ceux qui ont hébergé, les gens peuvent comprendre Lady. Ça ne veut rien dire. Lady n'était pas présente quand elle hébergeait Coco. Je ne suis pas d'accord avec ce motif. Par contre, tu peux dire que tu es fan de Lady. Tu peux dire que Coco n'avait pas le droit de sortir comme ça. Je peux te donner ça. Mais Coco était en colère. Il faut comprendre ça. Voilà. Reine Mère Bio, je veux tes lunettes, s'il te plaît. www.lesmaye.com. C'est sur le site, les lunettes, c'est lesmaye.com. Attends, je vais te mettre ça en commentaire. Si tu veux les lunettes, vas-y sur le site. Je ne sais pas s'il y a encore. Pour les lunettes. Attends, je te mets le lien. Et puis pour le rouge à lèvres, je vais mettre les deux en fait. Hein. Je suis comme la reine mère bio des WW. Hein. Je n'ai pas de... Écoutez là, je n'ai pas besoin de la... Non. Je n'ai pas besoin de la masse. Non. Je mets le lien, le site en fait. Voilà, j'ai tout mis les deux et puis je vais t'épingler ça. On va aller très vite hein, parce qu'il ne faut pas que je m'éloigne du vif du sujet. Parce que je venais pour te parler de quelque chose de bien précis. Mais comme le sujet d'actualité, c'est le sujet de Belle Bouche, merci. C'est le rouge à lèvres, aime la rose. Contour, Ruby, et milieu, c'est Erika. Voilà, j'ai mélangé les deux, je pense. Le volume, et qui est maman, et je vais le faire comment? Je ne peux pas crier, je ne peux pas parler plus que ça. C'est vrai qu'il me faut un nouveau téléphone, ça c'est clair. Je ne veux pas faire la mendicité d'un téléphone, on s'entend là. Mais il me faut un nouveau téléphone, attends, je peigne. Voilà, il me faut un nouveau téléphone. Donc, oui, c'est ça. Moi,
Je suis Coco Lago. Soyez reconnaissant, vivant. Vivez les lunettes de la gloire glorieuse. Moi, je vais venir squatter chez toi. Oui. Moi, j'héberge. Pas les choses. Je dis héberger des années. J'habite avec quelqu'un 1 an, 2 ans. Il sonne bien comme ça. C'est-à-dire qu'il apprend beaucoup de moi. En sortant, il grandit même. Parce que ce que je connais qui est bon, je donne à la personne. Vous ne pouvez pas dire que les gens qu'on héberge. Moi, j'ai hébergé, je connais c'est quoi. Les torts sont certainement partagés, mais Coco a été très loin. Oui, Coco a été très loin, mais Coco a été très fâché. Coco a écrit, a fait l'audio pour Lady. Coco n'est pas allé parler au quartier. Comme à partir du moment où l'audio partait à Lady, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Après, c'est sorti. Maintenant, comment c'est sorti? On ne peut pas gérer ça. Moi, je ne peux pas commencer à développer qui a donné, qui n'a pas donné. Sauf que c'est venu dans nos oreilles. C'était profond. Ça veut dire que Coco avait très mal. Il faut aussi respecter ça. Dit non. C'est pas parce qu'on héberge quelqu'un qui doit se taire. Les gens ne sont pas muselés sur la terre, là. Merci, les liens sont là. Lunettes et rouges, allez-y maintenant sur le site. Le rouge à lèvres, c'est Ruby et Erika. J'ai mélangé les deux. Et ça va avec mon pull. Attendez, je prends encore un peu mon café. J'ai un café à la vanille française. De toutes les façons, Coco est toujours en colère après quelqu'un. C'est un sac. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la réputation ou l'étiquette qu'on colle à quelqu'un. Mais toujours après ces étiquettes, il y a toujours, ça dit que cause à effet. Voilà. Oui, je n'héberge plus mon bébé Nat. Ça, c'est ma bombo. C'est ma photo de profil. Et depuis Bobo Njolasso. Les Event Class Douala revit grâce à toi. Ah, merci, la Event Class Douala. Oui, ça là, ça s'en vient. Mais Rosine, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on fasse un appel découvert, il faut qu'on démarre les choses. Tu as fini tes contrats. Moi aussi, samedi passé, j'étais vraiment très busy le week-end. Et puis là, il fait déjà froid. On dirait que j'ai pris un coup de froid. Ma voix est enrouillée, mais je prends quand même tout ce qu'il faut. Gingembre, miel, toutes ces affaires-là. Mais voilà, c'est ça. Écoute... C'est le froid qui commence à venir. Et là, demain, c'est le dernier jour de septembre. Demain, j'entre dans le... Oui, Coco était bouleversé, Lily Rose. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je supporte tel ou tel. Même Marthe Chopin, qui est une personne que Coco a clashée, supporte Coco. Pourtant, ils ont leur différent. Des fois, je peux dire, c'est qu'on ne peut pas mettre les chaussures de quelqu'un et marcher sur son chemin. Si nous mettons les chaussures des personnes, nous marchons sur le chemin, nous allons comprendre le problème dans leur angle et arrêter de juger. Moi, j'ai juste constaté, j'ai apporté des solutions et j'ai demandé à la personne qui a le plus à perdre, qui est Lady, de mettre souvent de l'eau à son vin, de doser, d'apprendre à tuer les poussins dans l'œuf, de ne pas laisser que le poussin pourri éclore. Sinon, le quartier va sentir. C'est ça le problème. Parfois, les poussins, là, c'est les poussins qu'on soigne les maladies avec. Donc, si tu laisses qu'il éclore, ça risque d'être chaud. Mais il ne faut même pas laisser. C'est ce que j'ai dit à ma diva. Donc, voilà. Et c'est ma diva, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà, elle a essayé d'héberger pour que la personne parte. Il a duré 2 semaines et c'est parti 1 mois. Oui, la vanille française de Tim Hortons. Moi, c'est pas de Tim Hortons. Alors, moi, le Nescafé, il y a un Nescafé qui s'appelle Nescafé Vanille parce que j'aime pas faire les cafés et tout. J'ai pas le temps d'aller chez Tim tout le temps. Moi, j'achète le Nescafé Vanille instantané. Puis, je mets dans la tasse, je mets du lait et je mets. Ou j'achète la vanille normale, la vanille française de Maxi qui est un peu en liquide, boisson là, et puis je mets avec du café instantané, Maxwell, whatever. Mais j'aime plus le café instantané. J'ai pas le temps de cafetière, toutes ces affaires là, non. Je chauffe mon lait, puis je mets ma cuillère de café, et puis je mets ma vanille, c'est tout. Quelqu'un dit quoi? Tu es si fraîche, si sereine pour une femme abandonnée, j'aime. Mélanie, je suis jamais abandonnée, je suis terriblement mariée, mon chéri dort. Amoureuse comme le premier jour. Et je n'ai pas besoin de répondre aux putes, aux femmes frustrées de ce qu'elles veulent que je leur montre sur la table. C'est très, faites très attention. Sinon, elles vont vous mener comme ça du bout du nez. Qui tient le bâton de commandement, c'est moi. C'est pas elle. C'est comme ça. Je suis même pas un peu abandonnée. Donc, je cours à mes occupations. Je vais profiter de mon petit temps pour te faire un coucou. Merci beaucoup, ma chérie douce Mireille. Et ma sista. Très bonne idée. Merci Lily Rose. Voilà. Moi, c'est ça que j'utilise en fait. Donc, si moi, on tout le temps, à un moment donné, le budget. Moi, je suis une femme économe. Hein. J'aime avoir plus pour mon argent. Ça, c'est quelque chose que ceux qui me connaissent le savent. Alors, ce que je voulais te parler aujourd'hui, très, très vite, hein, qui m'a fait trop rigoler en fait. Hein. Attends, c'est quel là? Attends. Est-ce que c'est même ça? Parce que des fois, je parle et puis je me mélange. Oui, Lady doit faire un travail sur elle. Notre diva. J'aime bien Lady. Je ne déteste pas Lady. Elle doit faire un travail sur elle, ça je suis d'accord avec vous. Parce que là, écoute, tout le temps, là, Lady, là, on n'a pas besoin de saleté comme ça. Surtout, on t'aime bien.
On veut que tu apparaisses toujours bien, bien, bien. Maman, une fois Ngoyé dit qu'elle opte pour le silence à son président hypocrite. Vous avez fini de foutre la merde, maintenant vous optez pour le silence. Mais Nalmi, c'est parce que vous pensiez que les gens en face devaient toujours se laisser faire et vous continuez, vous continuez. Maintenant, quand les gens se lèvent, quand M. Messang se lève, quand elle vous commence à dire qu'on opte pour le silence, silence en tout, mine. J'apprécie beaucoup ton abnégation, ta maturité et ta sagesse dans tes analyses. Merci beaucoup Marie, partage la vidéo partout. Je vous dis, quand je me connecte, vous partagez. C'est tout ce que, c'est mon salaire. Sinon, il y a un petit carré là en bas à côté des cœurs là. Vous vous abonnez alors pour payer là, alors j'aurai le 20K que toi tu auras donné pour moi. C'est pas cher, hein? C'est seulement 9 euros le mois. Seulement 9 euros qui fait 12 dollars combien la canadienne. C'est seulement ça pour la mère bio. Celle qui te procure, n'est-ce pas? Voilà. Attendez. C'est une dame là qui m'a envoyé ça. J'étais vraiment dépassée, quoi. Je dis waouh. Je dis waouh. N'importe quoi. Le mensonge n'est pas bien. Ok? Le mensonge n'est vraiment pas bien. Mensonge n'est pas bien. Mensonge n'est pas bien. Parce que la mythosie, la menteuse patentée, voilà. On ne salit pas ce qui est propre. On ne salit pas ce qui est propre. Amen. C'est Magina qui dit ça. Elle voulait me salir. Elle dit qu'on ne salit pas ce qui est propre. Magina, tu confirmes ma propriété maintenant. C'est ça, Magina. C'est ça, Magina. Hein? En Europe, c'est qui vit vraiment dans le droit chemin que c'est ça. Maintenant que ça les brûle. Même toi qui travailles dans le noir. Et tu en... C'est maintenant que ça les brûle de partout. Ils n'ont plus la main mise, les cachams, là, le patron, le contrôle de la toile. Ils n'ont plus ça. Moi, j'ai travaillé 2 ans et demi de ma vie pour leur enlever ça. J'ai dit que je veux vous montrer sur les réseaux. Ils n'ont plus ça. Maintenant, elle commence à dire qui brille ici, qui ceci, qui chante quoi. Les artistes, il ne faut pas parler des artistes. À part tel. La femme qui déclare que tu es seule, alors que tu es mariée, ton mari vient la nuit, dormi chez toi, et tu touches les allocations 45 minutes. On dit déjà que, comme il y a la monétisation là, moi-même, tu t'abonnes sur ma page, je fais l'argent. Nous tous, on est dans l'argent. L'argent, l'argent. La femme, c'est quand t'as bloqué là-bas. Merci du partage, ma chérie Wetplan. C'est important de qu'on s'outille. Il y a des personnes ici qui me haïssent pour rien. Comme si c'est moi qui fais les merdes. Quelqu'un te dit de deux pour rien. Ouais, mon frère. C'est ton problème. Si tu travailles honnêtement, c'est ton problème. Vous allez changer quelqu'un qui. Moi, je ne comprends pas certaines personnes qui veulent donner les exemples. Mon frère, dans ta famille, va donner les exemples. Va éduquer ta famille. Voilà. Une femme qui a passé son temps sur le réseau, moi par exemple, elle me disait va travailler, va faire ceci, va faire. Elle est toujours en train d'envoyer les gens aller faire les choses. Elle dit que comment tu peux éduquer quelqu'un qui ne connaît, que tu ne connais pas, ou que c'est elle qui passe son temps à envoyer les gens, à insulter les gens, aller ceci, va ceci. Elle dit que la femme là lui a dit d'aller travailler, qu'il gagne bien sa vie. Vous voyez ça? Une personne qui a passé son temps à insulter les gens. Elle parle au qui? Elle connaît les mouches. Merci mon bébé Nol. Commande ton rouge. Ouais, je vais arriver à la partie là. J'ai peur d'avancer. Elle n'a pas besoin des amis. Mais venez ramasser les amis des autres. Elle n'a pas besoin des amis. Magina. Comment va ta reine-mère? Comment va ta
Mon bébé, non, commande. Commande le rouge. Commande le rouge chez M. La Rose. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Ouais, la partie est où, non? Ma femme là m'a donné ça quand. Voilà, je suis arrivée. Voilà. J'arrive à l'aéroport, j'ai un vol qui me... Attends, attends. C'est la partie ici qui est cherchée. Vous dites souvent qu'elle ne s'occupe pas de moi, elle ne me calcule pas. Goyez sur moi dans chacun de ces directs, du coq à l'âne. Goyez sur moi dans chacun, la mytho. La mytho. Voilà moi. La dernière année, je lui ai dit que non, moi je ne peux plus aller au Canada. Cette fille m'a fait ça, ça, ça. Les Africains, ils mentent beaucoup. Hein. On arrive déjà. Quelqu'un va aller se plaindre, on se connaît ou on ne me connaît pas. Mais il m'a dit que Flo lui m'a fait que tu as vu l'Afrique qui est là-bas. C'est Flo qui l'a rendu dingo. C'est Flo qui a fait que Baba se fait. Quand vous voyez une vieille mère comme cette femme du Canada. Voilà. Elle allait au Canada trois fois, trois années consécutives, pas quatre ans. Je dis que c'est une mytho de chez Mythomanie. C'est ça que vous dites que quelqu'un qui débite tout et n'importe quoi ne se rappelle même pas de ce qu'il dit trois fois, trois années consécutives. Trois années consécutives que Ngoyé est venu. Elle dit il y a quatre ans. Vous avez vu, non? Continuons. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Pourquoi se prendre au Canada et le risque de prendre l'avion? Mm-hmm. 1000 euros, c'est quoi? Ça me permet. Mmh. Elle simplifie même le montant. Oh, que les autres lui doivent encore. Hein. Cette femme, je lui ai dit, prends quelqu'un d'autre. La dernière année, je lui ai dit que non, moi, je ne peux plus aller au Canada, c'est trop loin. Et puis, la dernière fois que je suis allée au Canada, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, je suis quelqu'un, si elle dit un truc, même 10 ans. Premièrement, elle ment. Même 10 ans, retournons aux archives. Elle n'a jamais dit la dernière fois qu'elle prend quelqu'un d'autre, jamais de la vie. Elle n'a jamais dit ça. Que la dernière fois qu'elle est allée au Canada, elle a dit, prends quelqu'un d'autre, je suis fatiguée. Elle n'a jamais dit ça. Jamais. Elle ment comme elle respire. Vous comprenez, non? Elle dit qu'elle m'a dit que prends quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis fâchée. Une mytho. Quelqu'un qui a la mythomanie avec grand M. Après, on va définir mythomanie vite fait. Elle dit qu'elle n'est pas une menteuse. Allez aux archives. J'arrive à l'aéroport, j'ai un vol qui va au Texas. Mm-hmm. Ma bique. Quand j'ai commencé à travailler avec elle depuis, je choisis d'aller au Canada le matin à 4 sur l'aéroport. Mensonge. Mensonge. J'ai dit mensonge. Ce n'est pas comme c'est ma bique. J'appelle Ngoyi. Moi, je dis mes choses. Hein. Vous allez aux archives. Je ne suis pas une personne. C'est-à-dire que le truc avec moi, c'est quoi? C'est que mon cerveau a des tiroirs et ça enregistre tout. J'ai une mémoire enregistreuse. Je veux l'inviter au Canada. Madame dit qu'elle ne vient pas au Canada parce qu'elle a l'inauguration des produits FDL, lancement officiel de Angèle Kenyé aux États-Unis. Comme elle m'avait enlevé ça. On est d'accord? Son communicateur, Jean Cancan Brakatala, c'est lui qui l'appelle. Il lui dit. Il me rappelle, il dit qu'elle dit qu'elle ne vient pas. Moi, je l'appelle, elle était au Cameroun à l'époque. Je l'appelle au Cameroun. Je dis que Flore, premièrement, je ne suis pas ta copine. Deuxièmement, tu as annoncé dans ma dernière soirée, en séance tenante, que tu revenais. Donc moi, je suis une personne de parole. Alors, juste pour les fans que tu viens, si c'était moi que je suis trop fan de toi, moi, je te vois tout le temps. Je m'en fous que tu viennes à une soirée, que tu ne viennes pas. Mais comme tu as proposé, annoncé et convaincu, et confirmé que tu reviens, c'est juste ça. Elle dit que oui, mais on a l'inauguration de FDL. En fait, il y a un gros programme et monté et descendu. Bing. OK. J'ai dit bing. Maintenant, oui, elle a eu mal quand elle a vu que les abeilles m'aimaient bien. Parce que je suis partie avec beaucoup de bonnes abeilles. J'ai même causé avec une hier qui m'a envoyé des champis. Ah, le goût de ça! Je suis partie avec les abeilles comme ça parce que les abeilles aiment la vérité et l'heure juste. Les vraies abeilles perspicaces. Je lui avais donné ce nom-là parce qu'il y en a qui sont comme ça. Oui, et pour mon anniversaire, maman, ils ont préparé les choses. Les abeilles, je suis partie avec. Les bons, la crème de la crème. Maintenant, ceux qui sont là, c'est la camelote comme les mandons japapla. C'est du pipeau. Des gens haineux pour rien, qui ne connaissent même pas l'histoire. Mandong est arrivé, ça fait même pas un an et demi, on ne connaît pas l'histoire de Facebook qu'on a vécu chez Ngoyi. Ngoyi devait venir. Ngoyi a dit, elle ne vient pas. J'ai dit, Ngoyi, que tu ne viens pas pour moi.
Ngoya dit, ok, pas de problème, je vais alors venir pour eux. Donc elle a bégayé comme elle a bégayé là. Je lui ai dit, t'es pas mon ami. Étant au Cameroun dans un bar devant une bière, elle vous a fait le deal, elle vous a dit que, ok, finalement, je vais aller au Canada. Ensuite, je vais aller chez Angèle. Et en plus, c'est son cachet. Si elle vient ici, elle prend 1000, elle va changer. Je ne sais pas combien Angèle paye là. Ce qu'elle fait, c'est 2000 en un même week-end. Vous voyez le problème? À part de donner son corps, que l'autoroute, que le caterpillar, toutes les voitures passent et tout, sa bouche qui va travailler, tout. À part ça, mieux, elle fait même les deux jours, là, elle fait son 2000. Elle voit les autres fans qui lui donnent le bonus à côté. Ou bien, est-ce que c'est mauvais de penser comme ça? J'ai dit, bon, tu peux venir au Canada, après tu continues là-bas. J'appelle maintenant Angèle, parce que Angèle connaissait ma date. Tout était prévu pour me renverser. Angèle s'est placée cette date-là. Je dis, mais c'est ce que j'avais. Elle dit, non, elle a déjà mis, comme Goya avait tout arrangé par derrière. J'ai eu vent, mais j'ai fait comme si je n'entendais pas. J'ai ignoré, j'ai dit, on continue comme si on ne connaît rien. Parce que je connais jouer le jeu, le game là, je connais jouer. Donc j'ai joué. Finalement, j'ai dit à Angèle, bon, ça veut dire que je vais prendre le billet. C'est moi qui ai acheté le billet. Et j'ai envoyé, Angèle m'a envoyé le Western Union de sa partie. On a pris le même billet Paris, Montréal, Montréal, Los Angeles, whatever, là où elle partait là. Quand elle s'est assise, elle dit qu'elle est partie à l'aéroport à 4h du matin. Elle ment. Ma soirée finit à quelle heure, mes fans? Ma soirée finit à quelle heure, ma crème de la crème? Ma soirée finit le matin. Le matin, on amène Goya à l'aéroport. Elle va à l'aéroport, elle n'a pas le document, ou c'est Esta, ou c'est quoi. Je finis, mon beau m'appelle. Mon beau m'appelle, mon beau me dit qu'elle a laissé à l'aéroport, elle n'est pas partie. Je dis, oui, je quitte l'aéroport, je vais la voir. Je n'ai même pas libéré le Airbnb, vous vous rappelez. Donc, je vais la voir à l'aéroport, je reste avec elle, je la ramène ici chez moi. Elle entre, elle se couche là au canapé. Elle se couche au canapé quelques heures. Je dis qu'il faut qu'on parte à l'aéport vers tel, l'aéroport à 15 minutes de moi, pas loin. Non, 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 alors maintenant, midi. Peut-être qu'elle se couchait comme ça, le temps de. Moi, je n'ai même pas dormi. Je tournais là en rond depuis avant-hier que je suis debout. Parce que quand elle dit qu'elle fait mes cheveux, elle fait bien. Ceux qui me connaissent savent. Je tournais, elle tournait, elle a encore démarré, c'est parti, la déposer à l'aéroport. Ok? Elle va à l'aéroport, je la laisse, je dis que vas-y jusqu'à ton gate, ma chère. Madame a vu sur Facebook comment Angèle a mal. Tu as dit que ça, c'est vérité, vrai, là. Comment elle a mal décoré. L'événement était comme un je ne sais même pas quoi, un couloir de je ne sais pas quoi. Ça, sortant d'une soirée de la crème, via épine lait morue crevette. Elle a dit que, ya, c'est dans quoi que je pars comme ça? Elle-même a raté l'avion, elle-même. Elle est restée à l'aéroport, elle n'est pas partie. Maintenant, moi, vers minuit, comme je suis venue, j'ai le temps de prendre ma douche, de m'allonger, les pieds en l'air, tellement j'étais fatiguée. Vers 23h minuit, je regarde le téléphone, je ne vois pas d'entrée. Mais j'ai déjà vu les quelques décos d'Angèle. J'ai même dit, yeah, c'est quoi ça? Parce que c'était toujours un genre bizarre. Mais bon, je passe les détails. Là, j'ai aucun problème avec Angèle. Je n'ai pas de problème avec Angèle, mais c'était pas. Hein? Voilà. Et tout d'un coup, je l'appelle. Madame me dit qu'elle est à Cleveland, genre, dans un aéroport quelque part là-bas. Là. Là, elle me dit qu'elle est, je dis qu'elle est, tu fais quoi de ce côté-là? Oh, j'ai raté le vol de Montréal, machin chouette. Je dis, comment ça tu as raté? Pourtant, je t'ai laissé à l'aéroport 4 heures de temps à l'avance. Je l'avais laissé, je dis bien, midi, je lui ai dit qu'on part à 14. Elle a dit, non, mais moi, maintenant, je ne vais pas rater. Elle allait là-bas, elle est partie trouver les clients où elle était en train de faire les taclages. Je connais qu'elle faisait quoi dans les toilettes de l'aéroport. Mais elle m'a fait quoi que bon, juste qu'elle a raté l'avion. Comme je vous dis là, expressément, elle vient dire que quoi? On dort sur le rang. On dort sur le rang. À 4 heures du matin. Personnage public, chez une tourmie. Elle marchait, saute partout. Tu vois comment elle brûle les étapes et elle tourne les choses. Vous voyez comment cette fille c'est une mytho. Vous voyez comment elle invente. Que je me suis fâchée, je dis qu'elle est faux pour filmer insulte. J'ai déjà enduré les injures, même qu'elle t'invite troisième fois, m'insulte depuis un an et demi dans ta team, activée par toi. Les Boma d'Angéo, les, comment on appelle, Gaston Machipongo, les Corinne Berthier aussi, dans les injures. Tête de papin, comment elle donnait, ce n'était pas là-bas. Ngoy. Et tu étais là, tu envoyais les commentaires, j'ai les captures que tu partais écrire là-bas. Tu n'as même pas honte. C'est parce que quand quelqu'un t'oublie, je veux seulement que mes fans voient comment tu es sur moi. Je veux que mes fans voient. Tu vois, elle s'en va quand on met un post, quand ma chipon met un post pour m'insulter, elle rit. C'est son Guy et membre à Katala qui était venu même me dire ça. Elle rit, elle va là-bas, elle met le bonhomme qui rit. C'est une méchante femme, cette fille. Elle dit que quoi? Que c'est parce que les mouches, parce qu'elle voulait venir, elle a refusé. Donc, je voulais qu'elle vienne, elle a refusé. C'est là que j'ai commencé à la détester. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens, Magina? Faut dire la vérité aux gens. Et tes mouches vont dire que tu ne me calcules pas. C'est il y a deux jours. C'est hier. Je dirais que c'est à lieu quand? Attendez. Hein? C'est ces gens qui prennent leur cas, ils mettent leur
Mais je ne dirige pas la vie des faux profils. Le jour qu'ils se retournent sur moi. Quand ils te supportent, ils te respectent, ils insultent les gens, qu'est-ce que tu fais? Tu les dis pas caché, Magida. C'est toi qui as fabriqué cette industrie. Tu as fait ces enfants pécher. Ces enfants, tu les as fait pécher par ricochet. J'ai dit qu'ils ont péché par ricochet tellement que là où ils marchent, ils ont le fardeau. Tel que mes déboires sont chez eux. C'est pour ça que je suis debout sans ride. Sans ride, sans rien. Belle, cute. Parce qu'ils ont pris mes péchés en me faisant des problèmes pour rien. Organisé par toi. Donc c'est toi alors qui as le bord des péchés. C'est pour ça que tu ne dors pas la nuit. Oui. Femme que tu es entré en classe jusqu'à tu voulais sa photo. Les fleurs à Dama que tu ne connais pas, mais que tu veux, que tu as déjà insulté. À femme, tu l'as même bloqué là. Tu m'as déjà vu entrer en classe avec. Moi, j'ai publié tes faux profils. J'ai publié certains. J'ai encore d'autres. Même ton Jean, quand il le connaît, bien, finir, je le publie. C'est comme ça. J'ai ton Yuri Yagami, pareil. J'ai toutes les têtes tombées là. J'ai fait tomber one by one. Parce qu'on n'attaque pas tout le monde. On n'attaque pas tout le monde. Les miettes qu'on te donne. Maman, je pouvais faire même 4 mois, je n'appelle pas la zoophile ici. Je suis allé maintenant, nous sommes longtemps, quand tu es ma maman. Elle raconte les histoires. Je lui ai laissé 4 audios. Quand son Gaston Machipon m'a insulté, après son premier passage, son troisième passage et dernier. Et quand elle était passée le troisième dernier, dans la salle, on a pu dire qu'elle revenait. Je lui avais dit que c'était le dernier. Même son communicateur le savait. J'avais déjà dit à tout le monde. C'est moi aussi le genre qui est une femme de parole. Ceux qui me connaissent savent. Je sors, on commence à. Je lui dis que voilà ce qui se passe. Elle m'appelle, elle dit que c'est pas Gaston Machipon. Je lui laisse les audios. 4 autres choses, vous avez fait écouter ça ici à un moment sur Facebook. C'est dans YouTube pour ceux qui mettent les vidéos dans YouTube. Je remercie ces personnes-là parce que quand on veut les archives, on va là-bas. Vous comprenez, non? C'est comme ça que madame. Elle parle de quoi? Ta fille, si me met. Elle traite de tous les noms, mais elle veut qu'on cause. Mais qu'est-ce que vous voulez que je parle avec une maman comme ça? Elle est montrée. Une maman? Avec la petite. Vous voulez que je parle avec une maman comme ça? Je suis plus maman que toi, grand-mère. Grand-mère vieille peau. Regarde-moi. Oui, non, maman. Mourir de maman, ma chère. Il m'amène comme ça. Toi, tu es grand-mère. Elle veut que je lui fasse de divers de quoi? Quel divers? On appartient au même diapason, imagine. Nous ne sommes pas du même pedigree, nous n'avons pas le même acabit. De quoi tu parles? De quoi tu parles, ma chérie? Quel divers? Baby, grâce à divers. Quel divers tu parles, ma chérie? Avec toi. Tchachou, bordé. Quel divers? On vend quoi ensemble? Les patates, les prunes, le piment? La tomate, le poivron, chez Balor là. Hein? Demandez aux gens qui me connaissent dans la vie réelle si je suis quelqu'un à téléphone, si je suis une personne qui parle. Elle justifie maintenant le fait que quand on lui laisse les audios et les messages, elle ne répond pas. Elle justifie, mais quand on lui laisse le couetou, quand on lui laisse le couetou de quelqu'un, la vidéo de sexe de quelqu'un, est-ce qu'elle ne répond pas? Question. Pardon, quelques crèmes de la crème qui sont capables d'écrire, parce qu'il y a beaucoup qui regardent ça écrit. Est-ce que quand on lui laisse le sang caleçon de quelqu'un, la nudité de quelqu'un, affaire de dossier de quelqu'un, est-ce qu'elle se tait? Question. J'ai dit question. Ceci parle à qui? Vous dites qu'elle ne me répond pas. C'est une vidéo qui date de combien de jours? 2 ou 3 jours. Elle est toujours sur mon mur. Elle dort ici, elle est ici avec vous. Je vous dis ça. Ce qu'elle fait après, là encore, ceci à faire là. Le ceci et le cela là, c'est les clients. Arrête quand on a quoi tout vendre le quoi. Cette femme en feu, elle me pleure parce que j'ai refusé d'aller au Canada. C'est tout. Qu'elle prenne une autre blogueuse, elle fait de la blogueuse ce qu'elle veut. Elle a vu, elle a dit que la soirée du Canada était annulée. Effectivement, la soirée du Canada a été annulée. Pourquoi? Imagine, la soirée a été annulée, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça a été annulé, tu n'as pas dit aux gens que la soirée a annulé. Allô? Tu as dit que tu ouvres la boutique. J'ai dit que elle a mis la soirée où? C'est comme ça que je suis venu sur la soirée. Tu n'as même pas fait une post pour dire que c'est annulé. Mais tu croyais que ça va passer comme ça dans les mailles. C'est là que je suis venu sur la soirée. Maintenant, tu es venu faire le post après. Tu me suis chérie. Tu dors sur mon mur. Imagine, tu cherches à m'appeler, mais tu ne pourras pas. Ce que tu as fait, ce que tu fais à tes soeurs de Paris, là, je ne suis pas de la même trame. Tu ne vas pas m'amener ça. Tu as compris, non? La soirée est annulée. Est-ce que tu t'es assis sur Facebook pour dire que la soirée est annulée? Non. C'est quand j'ai commencé à réclamer. Qu'elle est passée, ou tu as fait qu'on a enlevé tous les flyers de la soirée partout. Vous avez fait ça en latio, croyant que les gens vont oublier.
C'est là que je suis venue sur ça. C'est là que tu viens dire que finalement, pour des soucis de quoi la soirée était annulée. Je sais pourquoi la soirée a annulée. Le responsable de la soirée m'a écrit même sur WhatsApp. Mais après, je l'ai bloqué. Parce que je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas, Magina. Au Canada, il y a encore, on dit que quoi, restriction, non. Au Canada, ce n'est pas encore très bon. On sait que le Canada, c'est un pays très compliqué. Mm-hmm. Samy, tu crois, avait déjà vu son avance. Moi-même, j'ai vu mon avance. Avance, un tour, non. J'ai jamais dit qu'on a annulé parce qu'il n'y a pas les clients, ma chérie. C'est même pas ta PDG José qui fait la soirée. Allô, c'est pas José Ndjomoué qui fait la soirée. C'est un jeune groupe là qui fait la soirée, je le sais. Je connais les gens même du groupe là. Tu as compris, non? C'est un jeune groupe qui fait la soirée. Ce n'est pas Joséphine Ndjomoué. Joséphine Ndjomoué se malait dit qu'elle est marraine. Comme elle cherche toujours à rafistoler partout pour essayer de voir si elle va faire sa soirée, elle aura les gens. Mais l'esprit qui l'accompagne, le mauvais esprit. Parce qu'elle a dit qu'elle va me clasher pour rien, c'est le game. Ça là, c'est l'épine sous son pied. Le jour qu'elle va me déposer, elle va avoir la gloire glorieuse de ces choses. C'est comme ça. On ne s'assoit pas sur des enfants de Dieu pour rien et on reste impuni. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la soirée là, c'est pas qu'il n'y avait pas les gens. C'est que tu n'es pas venu, point final. Mais tu n'as même pas dit que tu ne viens plus. J'ai dit, mais elle parlait de la vertu de la soirée. La soirée, elle dit quoi? Je savais que c'était annulé parce qu'au Canada, il n'y a pas d'événement à plus de 300 à 400 personnes, 200 personnes. Non, à cause du Covid. Oui, on a les restrictions. Mais c'est pas de ça que j'ai parlé. J'ai pas dit que parce qu'il n'y aura pas les gens. Est-ce que c'est la soirée de José? Que José lance la soirée, t'invite, on voit. Tu es malade? Parlez même de quoi? Bande d'avortons, de mouches, bande de J'ai dit que la soirée est annulée. Et pour la soirée, en ta gouverne, imagine, comme tu dis que ça va refaire, j'ai parlé avec le monsieur de la soirée. Ils ont commencé à me dire que oui, vous ne pouvez pas utiliser le flyer, il faut que vous supprimez votre poste. Je supprime rien. J'ai le droit de poster, j'ai trouvé le poste public. C'est une photo de Facebook. C'est comme ça. Il m'a dit que oui, mais madame, je dis, oh, faut vous calmer. Quand elle utilise votre soirée, quand toi tu utilises la soirée des gens pour m'insulter, me faire des menaces, dire que tu vas venir me battre, me ceci, me cela. Eux, ils disent quoi? Ils disent, c'est pas la publicité, c'est pas de la publicité malsaine, ça. Qu'est-ce qu'ils en parlent? Hein? Oui, tout mon Facebook, c'est Flo. Mais Flo aussi est chez moi. Je parlais de sa vidéo il y a trois jours. J'étais bloqué. Mouche métastasée, aveugle. J'étais bloqué. Je parle. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi quand je parle de Magina? Flo, Magina, quelqu'un. Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte. Tu vas faire quoi? Faites le litchi, vous prenez l'avocat, vous portez plainte. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Tous les jours, voilà. Donc, vous voyez alors comment elle pleure le fait que j'ai un homme dans ma vie. Donc, ça, c'est la conclusion. Tout simplement de la jalousie pure et simple. Flore, comment tu as dit là? C'était un quoi là? Un anglo qui t'a pris là. Ton anglo qui t'a pris. Je m'arrête ici. Parce qu'il va me bouffer tout mon temps là. Ton anglo qui t'a pris pour 50e femme là. Hé, ma chérie. Ton anglo là qui t'a pris pour 50e femme là. Pourquoi tu te cases pas avec lui? Elle est jalouse de ma stabilité. Mon foyer. Vous avez vu le man, non? Vous avez vu le boy? Mon mari, comme ça. Toutes ces mouches mélangées. Voilà ça, Patricia Matiké, qui cherche encore. Comme le mauvais esprit, elle cherche quelqu'un pour la stricade. Est-ce que c'est facile? Elle pleure ma stabilité. Si j'avais un homme, je devais être. Donc, qui vous a dit qu'un homme, c'est la solution? Un homme, ce n'est pas la solution. Quand mon slogan qui dit terriblement marié, compte le demeurer, travaille pour le demeurer, c'est parce qu'il y a le travail, chérie. Oui, si on travaille pour être dans un foyer et vice versa, ma chérie. Renseigne-toi. Si j'avais un homme, on comprend. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu te languis, tu baves quand tu vois mon chéri. Tu vois ma vie. Vous pleurez ma vie. Vous allez épouser ma mort. Machina Kenka, mes compagnies. Vous allez épouser ma mort. Je suis avec toi, balle au pied. En janvier, j'ai dit je te dépose pour prendre mon envol. Tu as dit non. Que je n'ai qu'à revenir sur toi. Je suis revenu pour te prouver que je peux être sur toi longtemps. Tu ne me dépasses pas, Flore. Tu ne peux pas me dépasser. Je dis sol, terre, mer, sous-sol, tu ne peux pas. Même mystiquement, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des choses que c'est Dieu qui donne l'ordre même au marabout de faire. Allô? Allô? Franchement, quand elle dit que avec tous les hommes qu'il y a partout là, on est dans les si j'avais. C'est parce que personne ne l'assume, chérie.
qui va la prendre? Vous comprenez maintenant le pleur de Flo, les pleurs de Magina, les pleurs du Mbolé de ça. Elle pleure mon mari. Un coco, j'ai couché avec. Co, tu voulais qu'on fasse la patouche. Co, j'ai fait dans sa bouche. Co, ceci. Quand il allait m'accompagner, mon mari ne l'a jamais déposé. Je peux donner mon mari déposer une soupe, une tchachou, bordé comme ça. Je ne peux même pas aller la déposer. Il prend son temps où? Le son de ma veine, maman. Hey! Vous êtes sérieux? Donc, on a compris. Les mouches, vous qui êtes toujours en train de dire qu'elle n'était calculée pas, elle est sur mon mur matin, midi, soir. Elle ne m'oublie pas. Elle sait que l'épine sur son pied, c'est moi-ci. Là. Ça a l'air invraisemblable, mais c'est ça. Parce que c'est elle qui l'aura voulu. C'est elle qui a cherché. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore les gens des sites porno gays. Planète, Roméo, elle allait me mettre là-bas. Ils m'écrivent tout le temps. Are you have a bigger, si j'ai un gros, quoi, sexe, whatever. Toutes sortes de choses. Je regarde, je dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Moi, j'ai pas connu ça dans ma vie. Je connaîtrai jamais ça, même dans une autre vie. La prostitution, c'est pas ma tasse de thé. Je suis désolée, ça appartient à d'autres gens. Je respecte vos choix, vos positions. Mais respectez la mienne. J'ai une vie cadrée. Très cadrée, même dans l'ensemble. Bah, bien fidèle, comment tu vas? Ah oui, j'ai fini là. Je vous aime beaucoup. Je donne 3 minutes pour les questions ou 5 minutes. Est-ce que j'ai encore 5 minutes pour toi? On va dire 5 minutes hein, pour les questions. Après, je m'en vais. S'il y a des questions, c'était la maman. Oui. Partagez la vidéo. Quand vous me voyez en direct, vous partagez. C'est de ça qui cherche. Je suis allée chercher ça. Que vous essayez de voir. Je me suis arrêtée au mari. Là, si j'avais un mari. Si j'avais. Bah, on n'a pas vu ça. Si j'avais un mari. Merci beaucoup, Melvin. Merci. Le froid commence. J'ai une voix enrouillée. Je te dis, c'est quelque chose. Hein. Si j'avais un mari, et comme je n'en ai pas, qui va donc m'assumer si j'avais un mari? Vous n'avez pas partagé le direct, je n'aime pas ça. Partagez-moi les bêtises. Babie fidèle, partage ça partout jusqu'à ce que ça arrive à Fouquet Village. La fille pleure, ma stabilité la dérange. Qu'elle voit mon chéri, elle dit que qui me donne le mignon garçon. Voilà, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de passer un bon dernier jour du mois de septembre. Et dès demain, c'est le mois de l'anniversaire de la reine Mère Bio. Elle a les 5 balais le 13 octobre. C'est Dieu qui faut. J'en reviens pas. À chaque jour, j'ai même peur. Je dis ce qui va arriver même le 13. Là. De toute façon, que Magina dort avec ses marabouts. Elle ne peut pas aller au pays pour actionner, mais à distance, elle actionne là. Mais ça ne va pas donner. Il faut demander à Dieu s'il est d'accord. Je vous aime beaucoup, ma crème de la crème. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Envoyez-moi les cœurs, je m'en vais. Je m'en vais. Envoyez-moi. Qu'est-ce que ça fait un chat? Envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs à la maman. Les cœurs. Babier, ça fait longtemps. Hey, je peux faire une photo, un petit selfie là. Comme le dernier jour du mois de... Hein? Le dernier jour du dernier mois de ma naissance, de mes 50 ans. Le dernier jour de septembre de mes 49 ans. Elle n'a même pas honte de sortir des conneries comme ça. Si j'avais un mari. Vous comprenez alors pourquoi elle pleure? Les pleurs du volet de ça. Bachot, tu n'es pas bien. Voilà les choses que tu dois couper. Si j'avais un mari. Elle est trop belle. Elle est belle. Elle a les seins. Placali, les ventes, tout est fait sur elle bien. Ça dit que bien, mais elle n'a pas le mari. La peau, même, il n'y a rien. Elle se met souvent à la cuisine, elle prépare rien. Elle s'occupe même d'un gringa, légumes dans le salon, rien. On va faire comment? Elle a ramassé tous les meubles de toutes les rues de Paris, serrés dans l'appartement, pour aller mettre dans la maison de Anan Gringa. Rien. Et Dieu, si j'avais un mari. C'est qui pleure le mari? Ngoï. J'étais bloquée. Si j'avais un mari, venez dire que tu es folle. J'ai l'air d'une folle. Tête pleine comme ça. C'est dans mon cerveau, vous n'avez pas pu enlever. Vous avez cru qu'en caricature. Prenez les vidéos Congo Libre de Challenge, les vidéos de Bourrelet, tout, vous mettez partout. Vous avez cru qu'en caricature, là, ça allait donner quoi? La tête, quand c'est dedans, c'est dedans. On ne peut pas enlever ce qui est dans la tête. Vous pouvez tout prendre, sauf ce qui est dedans. C'est ça, c'est pour ça que vous n'avez rien compris. Vous avez tout fait, mais vous n'avez rien compris. Et je vais toujours être là. Vous donner l'heure juste et la vérité. En mot de solution, s'il te plaît. Donc, voyez, si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire, just give me a call. I'm going to help you.
et Bamba, Sam Serle, Pesse, Mbrane Mbrane, Manchachou, Aquala Woman. Bon, je vous aime, non. Chassez-moi, pardon. Je m'en vais travailler. Bisous là-bas, bisous là-bas, bisous là-bas. Bisous là-bas, bisous là-bas, bisous là-bas. Capturer comme ça. Attends, je vais capturer moi-même. Qu'elle vous dit la même. Attendez, comment elle va même me mettre pour capturer ça? Attends. Attends, qu'est-ce que j'ai pris? Je n'arrive pas. Bisous là-bas. Vous n'avez pas quoi? Vous n'avez rien fait. Bah, je vous aime.